Annette Vievorka, historienne spécialiste de la Shoah, l'écrivait en 1998. Nous sommes entrés, depuis la fin du siècle dernier, dans l'ère du témoin. Le témoignage relèverait désormais, selon elle, d'un impératif social et non plus simplement d'une nécessité intérieure. Pour autant, et même si le témoignage intéresse la psychanalyse en ce qu'il s'articule au traumatisme, qui est l'une des notions clés de la psychanalyse, il faut savoir qu'il est considéré, donc, ce même témoignage, parfois avec méfiance, notamment par les historiens, ceux-là même dont on imaginerait au contraire hein, qu'ils ne peuvent s'en passer. Si les récits des témoins ne peuvent prétendre faire histoire, quelles fonctions ont-ils alors et comment faut-il les aborder c'est donc au témoignage que Studio Lacan a choisi aujourd'hui de consacrer son divan dans le monde. Et pour en discuter avec nous, nous recevons l'avocat Pierre-François Veille, qui a accepté de revenir avec nous sur un récit tout à fait particulier, intitulé Seul l'espoir apaise la douleur. Alors, tout à fait pour particulier pourquoi Eh bien, parce que tout d'abord, il s'agit du récit de sa mère, de Simone Veil, mais aussi parce que ce récit a connu d'autres formes avant d'être publié à l'automne dernier dans sa version écrite euh, chez Flammarion. Pour notre seconde rubrique, L'écho dans la culture, nous accueillerons notre collègue Paz Corona qui nous parlera de Chili 1976, un film qui revient sur la dictature chilienne, qui est un autre tourment de l'histoire. Pierre-François Veil. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Et donc, France évoquait effectivement la publication récente sous, sa forme, sous la forme de livre, de, euh, sous le titre Seul l'espoir apaise la douleur, qui est donc le témoignage de votre mère, Simone Veil, qui paraît donc aux éditions Flammarion et Lina. Mais euh, comme France le disait, ce témoignage est d'abord paru en. En film en 2006, puisqu'il a été filmé euh, aux archives pour Lina euh, et pour la fondation pour la mémoire de la Shoah, je pense. Et il est aussi paru euh, sous le format de podcast en euh, quatre épisodes. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les ces différentes formes qu'a pris ce témoignage et éventuellement le rôle que vous avez euh, pu jouer dans euh, son édition actuelle Merci de votre invitation d'abord. Euh... Je crois qu'il faut revenir à la, à la Genèse. Ce témoignage n'est que un parmi 110 témoignages euh, que la, la FMS, à l'époque présidée par, effectivement par Maman, euh, a, a souhaité dès, dès 2004 et 2005. Euh, témoignages pour lesquels a été signée une convention entre la, la FMS et l'INA euh, prévoyant euh, la réalisation de, de 110 témoignages euh, pas seulement euh, d'anciens déportés, mais euh, euh, d'enfants cachés, euh, de justes parmi les nations, c'est-à-dire de gens qui avaient aidé euh, des juifs à, euh, à survivre pendant la, la période de la guerre, pendant la Shoah. Et euh, ces 110 témoignages ont été euh, réalisés euh, sous, sous la direction, de, enfin, dans, dans le cadre d'un programme euh, euh, conduit par. Euh, Supervisé par, par Dominique Messica uh -huh. et avec un certain nombre de grands historiens ou de spécialistes de la mémoire comme Anne Diderik uh -huh. que vous avez euh, oui, que vous vous avez nommé tout son, à l'heure, son livre peut-être, euh, euh, mais également de, 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 de Pierre truche euh, euh, et également euh, évidemment de, de Serge Klarsfeld. Uh -huh. euh, il s'agissait d'enregistrer de, euh, pour l'histoire. 110 euh, témoignages, 110 dix témoins euh, qui témoignaient évidemment tous euh, d'histoires euh, à la fois similaires et, et différentes les unes des autres. Euh, je dis similaires et, et différentes parce que je pense qu'on évoquera le, le sujet tout à l'heure dans, dans, si dans le lien entre dans le lien entre témoignages et entre témoignage et, et histoire. Alors, euh, mon frère et moi, nous n'aurions dû jouer, euh, j'allais dire, aucun rôle dans ce, dans ce témoignage. Euh, sinon, qu'il a été euh, effectivement enregistré et que des très nombreux de ces témoignages, euh, lorsqu'ils ont été enregistrés, ont été mis euh, en ligne sur le site de, de l'INA. Il se trouve euh, que pour une raison euh, inexpliquée, moi j'ai une explication, mais pour une raison inexpliquée, euh, le témoignage de maman, lui, n'avait jamais, euh, jamais, jamais été mis en ligne. Mm -hmm. Et euh, il n'avait pas été mis en ligne, euh, nous nous l'avons appris, parce qu'en 2018 ou 2019, juste avant, le, juste avant la Covid, nous avons été contactés par, par Lina, qui nous a demandé euh, de signer l'autorisation, euh, les droits euh, de, de mettre ce, ce témoignage en ligne, ce qui n'avait pas été fait par maman euh, à l'époque. Et donc, euh, évidemment, euh, on a voulu l'entendre, le, 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 l'écouter. Euh, je l'ai regardé et euh, évidemment nous avons donné notre, notre autorisation et donc il a été mis en ligne. Alors comme c'était le témoignage de maman, évidemment euh, euh, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, il a fait le, il a fait le buzz. Mm -hmm. Et puis et puis ensuite euh, il y a eu cette, cette, cette euh, un, un podcast et puis ensuite euh, il y a eu cette édition chez chez Flammarion, euh, cette très belle édition mm -hmm. euh, que nous avons accepté de de, de, de préfacer. Euh, avec ce texte que nous avons, que nous avons signé. – Voilà, très bien. Alors justement, euh, venons-en euh, au fait, je, vous, vous parliez de la préface euh, précisément, donc on entre euh, évidemment, c'est la fonction d'une préface, on entre dans ce, ce récit par votre préface euh, que vous avez co avec votre frère, euh, et, et, et justement on sent votre engagement quand même dans, dans ce… ce n'est pas votre témoignage, mais votre, euh, la manière dont vous avez accompagné, vous accompagnez ce texte, ce très beau texte. Euh, justement, je, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à un moment donné… Dans dans le récit, euh, votre mère dit qu'elle a, euh, parmi ses enfants, il y en a un particulièrement qui s'intéresse euh, plus euh, à, à cette question. Et euh, donc. Euh vous m'avez confirmé qu'en effet c'était vous. Euh, Peut-être. Peut-être elle pensait à moi. Peut-être qu'elle pensait à vous. Bon. Euh, il y a des chances quand même vu les, les, les fonctions de, que que vous avez occupées puisque vous êtes président, enfin que vous occupez encore puisque vous êtes président du comité français, français pour Yad Vashem, donc euh, comme vous me le confirmiez. Alors justement dans la préface il y a ce moment qui qui, qui nous nous a intéressé beaucoup et c'est vraiment le début, point de départ de cette de cette émission, c'est que euh, c'est cette anecdote vous appeler ça une anecdote euh, qui est, qui concerne effectivement euh, la recevabilité pourrait-on pourrait-on dire du témoignage de votre mère au moment euh, donc dans les années 80 au moment d'un colloque euh, sur euh, justement sur la Shoah et donc peut-être que vous pouvez en dire quelques mots effectivement dans ce dans son témoignage ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup frappé quand je l'ai quand je l'ai entendu enfin beaucoup de choses évidemment m'ont frappé mais je enfin maman raconte euh, une histoire que je, dans ce témoignage que je, que je connaissais puisqu'elle mmh. nous a toujours parlé de, de cette période de sa vie vous, vous, vous n'avez rien découvert enfin euh, c'était des choses dont elle vous parlait oui oui bien oui. sûr c'était des, des choses dont elle nous parlait et puis dont elle avait eu l'occasion de, de nous parler euh, souvent mmh. euh, mais mais revenu un mais revenu une anecdote qu'elle qu m'avait racontée à l'époque euh, et qu'il avait beaucoup beaucoup marqué dans les années 80. Elle est invitée à faire un colloque, je crois. Enfin, il y a un colloque à la, à, à la Sorbonne sur euh, l'historien sur euh, sur la Shoah. Je pense peut-être même qu'à l'époque on ne parlait pas encore de de Shoah parce que le, en fait le terme de Shoah est arrivé avec le, avec le film de, de Lanzmann, euh, Et euh, la 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 présidente de l'université était Madame Hélène Hardweller, et elle invite maman. Et euh, les historiens qui participaient à ce colloque, ou un des historiens qui présidait ce colloque, s'est opposé à sa présence. Non pas tellement parce que c'était maman, il n'y avait rien d'intuitu de, 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 personnel dans, ce, dans cette opposition, euh, mais parce que c'était euh, euh, un témoin. Et que pour des historiens, euh, entendre des témoins dans un colloque d'historiens, de, de, euh, c'était euh, contradictoire, ça n'avait pas sa place et ça ne devait pas être là. Alors, euh, maman avait la personnalité qui était la sienne, et euh, parce qu'elle était, qu était elle, et qu'elle avait probablement l'importance qu'elle avait, euh, elle a pu s'imposer, elle a pu y participer. Mais je crois que sinon, il n'y aurait pas eu de témoin. Oui, d'accord. Et, euh, pour, enfin, je ne sais plus très bien comment je le qualifie dans la préface, mais je pense que je parle de stupidité. Je pense que je parle de, de, de sincérité de stupidité à la fois. Euh, C'est idiot. Recherchez-le. C'est idiot. Oui. Voilà. Oui, stupidité. Au motif aussi stupide, dites-vous, que contrairement aux historiens, les témoins n'ont rien à dire. Leur parole est toujours biaisée. Voilà. Alors c'est évidemment vrai. C'est évidemment vrai. Mais l'histoire n'est que l'histoire n'est que le produit de témoins. Alors, pour être un peu plus explicite et probablement euh, la Shoah en euh, est un exemple très, euh, très manifeste. Euh, la Shoah, c'est l'assassinat de 6 millions de personnes. Alors, on peut décider que ce ne sont que des statistiques, et ça, c'est une vision peut-être un, un peu historique, mais ce sont aussi 6 millions d'histoires individuelles. Mmh. Et, euh, et, 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 et l'histoire, à mon sens, c'est à la fois des statistiques et à la fois des histoires individuelles. Et du reste, euh, ce, ce, euh, ce corpus de 110 de de, de témoignages que, euh, que la FMS a souhaité euh, mettre en ligne et pour lequel elle a signé euh, cette convention avec l'INA en, 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 en juin 2005 de mémoire, euh, il se tournait non pas seulement vers des rescapés, mais vers des, vers, vers des anciens déportés, vers des enfants cachés, encore une fois vers des justes parmi les nations. Euh, et c'était bien d'avoir cette vision euh, protéiforme, d'avoir ces témoignages d'histoires très différentes, y compris entre, euh, euh, entre les, des déportés qui n'ont pas du tout la même histoire les uns que les autres. Et ce qui fait l'histoire, à mon sens, c'est la multitude, c'est autant que possible le, le nombre de ces témoignages et leurs différences. Alors il se trouve que euh, pour euh, l'histoire de, de Vercingétorix, nous n'avons que la guerre des Gaules, celle racontée par euh, César. Ouais. Bon. Euh, pour, euh, pour la Shoah, on a pardon du terme, la, la chance d'avoir cette multitude de témoignages. Oui. Mais c'est très important. Et dire que dans un colloque d'historien, il ne doit pas y avoir de place pour un témoin me paraît, oui, une stupidité. Ce n'est qu'un témoin. Euh, maman ne, raconte qu ne peut raconter qu'une histoire qui est la sienne. Sauf qu'évidemment, elle, a cette, elle avait cette capacité à, à contextualiser et à dire des choses plus, plus larges que, no, que son histoire individuelle. Mais... Oui, mais justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est la question de l'individuel. Et on va y revenir parce que dans le fourmillement de détails, d'ailleurs, qui sont très spécifiques, on va en venir, y venir avec Yves. Ce que vous dites aussi, c'est d'ailleurs, euh, Annette Vievorka, elle, elle dit bien que qu'en fait, l'histoire, c'est à la fois le témoignage et le travail de l'historien. C'est un c'est une conjugaison. Ce c'est pas ni l'un enfin l'un ou l'autre. C'est et l'autre euh, en fait. Je... Elle, elle dit bien ah. ça. Donc, je, vais, je vais vous prendre un, un exemple sur euh, sur un sujet euh, qui a été l'objet de de controverses. Euh... Si vous prenez, le, euh, si vous prenez euh, le, le, la question de savoir quelle a été l'attitude euh, de, euh, euh, des autorités françaises, pour ne pas le nommer euh, du gouvernement de Pétain, et, et, et de ce qu'il a fait ou pas fait pendant la guerre, euh, vous avez bien sûr les statistiques, vous avez bien sûr les chiffres, qui sont très très importants. Est bien obligé de constater que euh, là où euh, en Pologne, euh, en Ukraine, dans les territoires de l'Est, euh, 90 ou 95 des, des, des Juifs ont été euh, assassinés, déportés et assassinés, ou, ou assassinés directement sans même être déportés, ce qu'on a appelé euh, en Ukraine la, la Shoah par balle. Mmh. en France, 75 de la population juive a été sauvée. Mmh. Pourquoi Et comment Si vous posez la question à un déporté qui a été euh, arrêté par les gendarmes français. Euh, en 1942 ou avant 1942, en zone libre, et puis qui a été euh, déporté et, euh, et, et puis qui est rentré, euh, il ne vous racontera pas la même histoire euh, que celle de gens euh, dont la famille a été prévenue euh, par des gendarmes ou par des policiers la veille de la rafle du Veldiv et qui ont ainsi échappé à la rafle. Mmh. Ces gens ne raconteront pas la même histoire. Les deux histoires sont intéressantes. Les deux histoires, les deux années, deux pardon de les qualifier d'anecdotes, ces, ces deux événements distincts racontent une partie de notre histoire. Et c'est euh, ensuite le travail des historiens de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à contextualiser cela. Mmh. Mais ces deux histoires sont essentielles. Mmh. Et, si en, et si on en oublie une, enfin, ou si on n'en raconte pas une, ou si on ne profite pas de l'une des deux, on n'a pas cette vision diversifiée. Ouais. Voilà pourquoi je crois que les témoignages sont très importants. Et voilà pourquoi je crois que pour un historien, ne pas vouloir entendre un témoin, pour ensuite le contextualiser, pour ensuite le mettre dans... dans, dans le, le, le resituer dans la grande histoire, c'était, c'était au fond euh, dire euh, mais l'histoire n'est qu'une chose officielle qui appartient aux historiens et, et les témoins n'ont pas leur place. Toute euh, la question. Je, je le redis, c'est stupide. Toute, toute la question, c'est, c'est en effet le contexte. Euh, il, il fut un temps d'ailleurs où on ne voulait pas entendre le témoin. C'est justement toute la thèse de, de, de ce très beau livre. Donc euh, je le répète, Anne de Annette sur l'ère du témoin. Euh, et et d'ailleurs, votre mère a, a souffert de ça, elle a connu cette époque où on ne voulait pas entendre euh, les, les rescapés des camps. Euh, on écoutait plutôt euh, les, les résistants. On écoutait plutôt voilà, les résistants. Résistant, parce qu'en ni... fait, le contexte, c'était. Euh, elle, euh, elle le dit très bien. Euh, que, que, en fait, à ce moment-là, ce qui compte, c'est euh, la réconciliation. Euh, et écoutez, en effet. Euh, on, on, oui, et puis en, en, Henri Laurence, qu'on a accueilli je... ici, faisait part aussi qu'il y a eu un moment de bascule, qu'on a toujours parlé. Au fond, euh, des événements de guerre du côté euh, de l'héroïsme et oui, euh, finalement du, du combattant, je... et qu'avec le procès de Nuremberg, il, la, la, la mm. place du témoin et de la victime prend euh, une place euh, spécifique et euh, introduit un, un, un moment de bascule euh, dans le récit. Enfin. Euh, euh, enfin, en tout cas, dans notre récit national, mm. parce que je pense que le récit international est encore un peu différent mm. euh, quand on parle de Nuremberg. Mm. Dans notre récit national, moi je pense qu'il y, euh, y, y a trois périodes. Euh, qui, et qui expliquent l'attitude des gens, euh, des uns et des autres, du reste. Il y, y a une première période qui est, euh, euh, au fond, euh, 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 la mémoire. Euh, la mémoire guerrière. Mmh. C'est celle que. Mmh. C'est celle qu'en 1945, euh, la France souhaite avoir euh, sous la conduite du général de Gaulle. Il faut mettre la France du côté des vainqueurs, c'est extrêmement important. Euh, et, et puis il faut réconcilier la France. Euh, j'hésite parce que j'hésite à dire l'ordre dans lequel je vais dire les choses et je pense que c'est important. Il euh, y a d'abord la... Il y a d'abord les victimes qui ne veulent pas regarder derrière, qui veulent regarder devant, qui veulent survivre et qui n'ont pas tellement envie de, de, de regarder euh, de regarder ce qui s'est passé. C'est trop triste, c'est trop difficile. Il faut survivre. Et puis euh, dans toutes les familles, il euh, y a eu des gens euh, déportés, enfin dans toutes les familles juives, il y a eu des gens déportés et il y a eu des gens qui n'ont pas été. Et, et c'est parfois difficile. Mmh. C'est parfois difficile pour des parents. De parler avec leurs enfants qui ont été déportés, et pas eux. Euh, c'est parfois difficile pour un époux dont euh, la femme et les enfants ne sont pas revenus, lui est rentré, et, et, et il veut et il veut et il veut survivre. Et survivre, c'est regarder devant. Il y a aussi chez les Français non déportés, non juifs, euh, une situation dans laquelle, euh, dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque quartier, euh, tout le monde sait très bien. Qui a fait quoi mm. Qui a caché ou qui a dénoncé Qui a fait du marché noir ou qui a résisté Et il y a une situation de, de pré-guerre civile. Mm. Et là encore, euh, les autorités civiles et le général de Gaulle mm. euh, veulent absolument euh, éviter euh, tout conflit. Donc, effectivement, il y a une mémoire qui vise à, 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 à regarder devant. À reconstruire et à être du côté des vainqueurs. Et puis, euh, avec euh, 1970, euh, euh, enfin 1968, puis 1970, puis euh, Francis, si vous saviez, euh, euh, et, et puis euh, peut-être aussi euh, euh, jusqu'au président Mitterrand, euh, euh, une mémoire honteuse, euh, une mémoire qui, qui veut s'inscrire dans les dans les pads, dans les pantoufles de de la mémoire du général de Gaulle et une mémoire qui ne qui ne veut pas regarder ce qui s'est passé okay. et qui euh, euh, prise entre euh, euh, la thèse euh, de euh, de Français si vous saviez euh, de cette nouvelle génération qui regarde euh, euh, la génération de ses parents sur le thème euh, Vous avez tous été des salauds, c'est dégueulasse, euh, et euh, en France, euh, il n'y a eu que des, que des calabos. Euh, une, mémoire qui, une mémoire officielle qui ne, qui ne veut pas tellement euh, tourner la page. Et puis, euh, et je crois qu'il faut l'en il faut remercier, il euh, y a une mémoire euh, réconciliée, j'allais dire en termes de mémoire apaisée. C'est celle qui apparaît avec Jacques Chirac. C'est celle qui fait le... C'est celle qui fait le... le, le, le lien entre euh, euh, son discours du 16 juillet euh, 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 1995, euh, qui est la reconnaissance de la, de la responsabilité de l'État français, des autorités publiques, et puis, qui se clôture, j'allais dire... Le 18 janvier ou le oui le 18, 17 janvier euh, euh, 2007 avec l'entrée des justes au panthéon et qui raconte cette complexité de l'histoire et c'est la réunion de ces deux phases le, le, de ces deux faces de l'histoire qui fait que notre pays peut regarder son passé avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière et au fond, c'est ça qui est important. Alors, sur cette dimension que vous évoquiez là de quelque chose qu'on ne voulait pas regarder, euh, je trouvais aussi à lire, euh, écouter, à regarder précisément le témoignage de votre maman, euh, qu'il y a aussi peut-être, je voudrais vous interroger là-dessus, une spécificité du, du, du témoignage. De ce type de témoignage Et de ce témoignage-là. Puisque. Notre maman insiste beaucoup sur le. C'est écrit aussi dans l'avant-propos que ce qui lui était le plus insupportable, ce pourquoi elle tenait à témoigner, c'était euh, euh, le fait de ne pas être écoutée, de ne pas être entendue. Et j'étais frappé en même temps que euh, tout au long de son témoignage, elle évoque elle-même. Au moment de, de l'expérience de la déportation, de l'expérience des camps, à quel point euh, elle et ses, sa famille, ses compagnons, euh, les personnes dans le camp ne voulaient pas écouter euh, non plus ce qu'on leur disait de ce qui se passait dans les camps. C'est-à-dire qu'il y, euh, qu y avait quelque oui. chose qu'on ne pouvait pas entendre, qu'on ne peut pas écouter. Pas écouter. Et euh, euh, d'abord, je voulais un peu avoir votre avis pour. Euh, savoir si ça se si ça se répondait euh, parce que je trouvais que ça se répondait très fort euh, qu'il y a là quelque chose comme elle dit qu'on ne peut pas imaginer et dont il faut absolument euh, témoigner et la question du coup c'est comment témoigner comment en témoigner. effet ouais. de ce qui est proprement euh, indicible ouais. et il me semble qu'elle a une manière très particulière de le ouais. faire justement euh... Les, les témoins racontent que, euh, que jusqu'au bout, euh, les gens ne croyaient pas ou ne voulaient pas croire. Mmh, C'est ça, elle le dit très clairement. Et euh, on sait aujourd'hui, euh, très précisément, que, euh, que, 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 que les nazis euh, entretenaient cette, cette incertitude et entretenait euh, cette, euh, cette, cette, cette idée que, euh, que, que au bout du chemin il n'y avait pas la mort et que euh, euh, eh bien les gens n'allaient pas vers leur destruction et que même, même à, la, à, la, à la porte des chambres à gaz les gens euh, n'y croyaient toujours pas d'abord parce qu'on D'abord parce qu'on n'a que l'expérience de son passé et que ça ne s'était jamais produit, donc on ne pouvait pas l'imaginer. Ensuite parce que ce n'est tout simplement effectivement pas, pas imaginable tant qu'on qu ne le sait pas. Et puis parce qu'on a toujours probablement envie d'espérer. Et ensuite, euh, moi j'ai toujours entendu tous les... tous les anciens déportés euh, 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 dire que à leur retour ils, ils raconteraient et, qu leur, et que leur, euh, leurs camarades de déportation mmh. ceux qui n'étaient pas revenus leur, leur disaient de survivre mmh. pour raconter mmh. et pourtant ils n'ont pas raconté pendant très longtemps ils n'ont pas raconté ils n'ont pas raconté parce que pour les raisons que j'ai tout à l'heure mais aussi parce que c'était euh, insupportable inaudible oui, on comment, ne voulait pas entendre. comment raconter ça voilà et comment raconter ça mmh. et euh, et au fond, euh, euh, moi je sais que maman, très longtemps, elle en a parlé à nous, ses enfants, elle en parlait, euh, elle en parlait à ses camarades anciens déportés. Mais euh, pour le reste de la famille, pour les gens qui avaient vécu pendant la guerre mais qui n'avaient pas été déportés, c'était insupportable. C'était insupportable. Pour mon père qui n'avait pas été déporté, qui s'était caché, puis qui avait, qui avait rejoint la résistance c'était c'était insupportable l'idée que l'idée que son sa, sa femme mes parents n'étaient pas mariés avant la guerre ils sont connus évidemment mmh, après très, très vite après très vite après mmh. mais c'était absolument insupportable euh, et, et, et euh, euh, pour euh, pour mes grands parents paternels dont euh, une des filles avait été déportée qui était revenue de déportation comme maman mmh. c'était insupportable Probablement. Et donc, on, on ne pouvait pas en parler, ni, 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 ni pas, pas nécessairement pour le, pour le parce que euh, euh, dans le récit qu'on fait parfois, c'est que les gens ne, euh, euh, au fond, euh, voulaient pas parler juifs. Mais même les juifs ne voulaient pas l'entendre, parce que c'était insupportable. Il y avait une culpabilité euh, euh, chez, les, enfin, chez les, gens qui avaient, vécu, enfin, qui avaient vécu, cette époque, mais, mais qui avaient échappé qui était absolument insurmontable. Et puis, il euh, y avait aussi, un peu plus tard, euh, euh, l'idée qu'il ne fallait pas traumatiser les enfants. Euh, nombre d'anciens nombre déportés qui se sont mis, euh, pour y revenir, dans les années 80, à, à commencer à raconter, à commencer à témoigner, jusque-là, ne le faisaient pas, et refusaient de le faire, et ne voulaient pas en parler à leurs enfants, pour ne pas... Les marquer euh, d'un passé euh, épouvantable. Alors... Et probablement, probablement, une des raisons qui a poussé les gens à déporter, et à, à parler, les anciens déportés à parler, et même quelqu'un comme maman, c'est l'apparition euh, 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 du négationnisme. À partir des années 77-78. Et avec Forisson. Avec Forisson. Voilà. Et d'ailleurs, le, le colloque s'inscrivait, je crois, dans ce... Alors, justement, par rapport à la spécificité du témoignage de votre mère, parce qu'on euh, est bien d'accord avec Yves, euh, il n'y a pas possibilité de parler de ce dont elle parle sans utiliser cette, cette forme du témoignage, justement, donc c'est... Une réponse un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur les historiens, euh, c'est la question du souci du détail euh, de, de votre mère. Mais alors, ça n'est pas n'importe quel détail. Ce qui nous a frappé, hein, je pense que. Euh, c'est que. Euh, alors là, vous parliez de votre père, et. et alors ça, ça n'a rien à voir avec le camp, mais elle raconte à un moment donné comment. Toute, elle sort, elle est si jeune, quand elle sort des camps, elle rencontre votre père très vite, euh, et, et qu'elle est mal à l'aise socialement, euh, voilà, et qu'elle se cache, dans, elle est boulevard-suchet dans une, dans une belle réception, et elle se cache derrière les rideaux. Mais euh, ça, c'est un détail, par exemple, on la voit, enfin, c'est vraiment formidable, enfin, on a, un, bon, c'est comme un cliché, en fait, presque. Euh, mais je, pour en venir au détail, justement, dans, dans ce récit de, de ce qui lui est arrivé, de, 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 de cet impossible qui lui est arrivé, euh, les détails qu'elle donne sont à la fois excessivement précis et toujours d'une immense pudeur. Et je pense que ça a à voir avec cette question de la dignité dont elle parle mmh. beaucoup et qu'elle attribue à sa mère, mais euh, dont elle a manifestement hérité. Mais euh, et, et c'est effectivement. Donc les détails. Les détails de. de de ce que c'est que le, le hasard presque, qui fait que, bon, bah elle est fait partie d'un convoi où on leur coupe les cheveux, mais on ne les rase pas. Euh, elle a passé l'été euh, elle, elle, à la plage, donc elle, elle est rayonnante de santé. Euh, elle est très belle, et, et donc il euh, y a une surveillante qui lui dit euh, :« Je vais te faire, je, enfin, qui, qui la prend sous son aile. » Tu es trop belle pour mourir ici. Ouais. Bon, euh, une autre euh, prisonnière euh, déportée qui, qui, qui l'entend parler français et qui lui donne une robe, etc., etc. Et tout cet empilement de hasard euh, un peu euh, comme ça, et, y a, et finalement, il y a une logique euh, qui, 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 qui mène à ce que, heureusement, elle, elle en sort. Mais cette coloration, ce détail, ce souci du détail, qui n'est pas un détail euh, du côté du pathos du tout et de l'horreur, mais c'est quand même très précis. Voilà, il y, y a quelque chose, je trouve, dans la transmission qui est, qui est particulièrement réussi de ce point de vue-là. Deux choses. Enfin, votre propos me... me... suscite deux réactions chez moi. Euh, la première, c'est que je, je n'ai pas souvenir d'un seul, euh, euh, seul déporté racontant que euh, qu'il a survécu par, euh, euh, par son héroïsme ou par, euh, mmh. ou, 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 ou par sa force ou par ses talents ou par. Euh, euh, mais que simplement euh, euh, pour eux la vie est durable de ne pas avoir été sélectionné sur la rampe, euh, euh, d'être passé au travers des différentes sélections et d'avoir survécu, ce n'est que le hasard et la chance. Voilà. Pour chacun. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire... Euh, voilà. Ce, ce n'est que ça. Et ils ont vu probablement trop de gens partir, trop de gens, euh, des jeunes, des pas jeunes, des, euh, trop de hasards. Encore une fois, vous arriviez... Vous arriviez... Euh, 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 vous étiez déporté, vous étiez arrêté, puis vous étiez déporté, vous arriviez au camp euh, euh, à une époque où le camp était plein, était plein euh, vous n'aviez aucune chance de rentrer dans le camp. Vous ne rentriez pas dans le camp. Il mmh. faut bien comprendre que euh, 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 les gens arrivaient et, et partaient directement à la chambre à gaz. Bon. Euh, si vous arriviez, au, au contraire, à la fin, à la fin de l'hiver, au moment où il euh, y avait un peu de place dans le camp, vous aviez une chance de... de, de une chance. Là mmh. encore de, 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 fin de ne pas directement partir, euh, partir à la chambre Ça, c'est la, la, la première chose. Et puis le détail, ça me fait penser à, à autre chose et à l'histoire. Euh, vous avez évoqué le, le nom de, 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 de Forisson euh, tout à l'heure. Mmh. Il se trouve que, par les hasards de la vie, euh, je, je venais de. J'avais prêté serment 18 mois plus tôt. Et euh, je me suis retrouvé euh, euh, intervenir dans le, dans le, dans, dans, dans le dossier le qui est à l'époque, et, et c'est très intéressant pour votre, pour votre débat, euh, on, nous sommes avant les, les, les lois Guesso, et par conséquent, euh, euh, Robert Forisson n'est pas poursuivi devant le tribunal correctionnel euh, pour, euh, pour négationnisme, ce, 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 ça, le délit n'existe pas, euh, encore une fois, la loi Guesso, qui date de 1982... N'est pas intervenu. Forisson a tenu ses propos en 1979. Et, euh, mais c'est un procès euh, civil, devant les juges civils. Euh, et le procès qui est fait à Forisson est un procès de, 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 de faussaire de l'histoire. Et euh, au fond, ce qu'on lui fait comme procès, c'est celui de lui dire que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas fait un travail d'historien. Et donc, il euh, y a un certain nombre d'associations de, de, euh, d'anciens déportés. Euh, qui euh, engage ce procès, et euh, on va retrouver une équipe d'avocats, euh, euh, Serge Klarsfeld, Bernard Joannot, aujourd'hui disparu, Robert Badinter, euh, euh, Marc Lévy, euh, qui vont euh, énormément travailler à ce procès d'historien, ce procès de, de technique historique qui est fait. À... Et il se trouve que je suis euh, tout jeune collaborateur d'un de, de ces avocats, et donc je vais être amené à travailler dans ce dossier, et à plaider dans ce dossier du reste. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le débat historique qu'on voulait euh, 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 conduire contre, euh, contre Robert Forisson, on n'était pas du tout certain de le gagner parce qu'on avait très peu d'éléments. Il n'y avait rien mm -hmm. qui permettait d'établir la réalité des chambres à gaz. Et Robert Forisson se battait sur les détails. Et oui. vous disiez précisément, mais enfin, une chambre à gaz, ça fait 100 mètres carrés. Dans 100 mètres carrés, on ne peut pas faire rentrer mm -hmm. 1000 personnes, puis du reste, il y a des gens qui disent que, etc. Et c'était un débat à ce niveau-là. Oui. Quand, euh, euh, pour, aller, pour aller au bout de euh, l'horreur, de, 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 de si je puis dire, euh, je, je me souviens très bien, euh, lorsque alors, nous avons gagné devant le tribunal, Robert Forisson a fait appel, quand nous nous sommes retrouvés devant la cour d'appel, euh, 18 mois plus tard, en 1982 ou 1983, je ne sais plus. Euh, <coughs> Entre-temps, Serge Lersfeld avait euh, publié euh, le, le, le livre qui s'appelle le, le, le Mémorial de la déportation des Juifs mmh. de France, qui est la liste oui. des convois euh, qui avaient été conservés par les Allemands et donc qu'on a retrouvés. Et euh, à un moment donné, l'avocat euh, de Robert Forisson, qui s'appelait Delcroix, ça ne s'oublie pas, euh, ni ça s'invente, ni ça s'oublie. Euh, Delcroix, euh, pour montrer à quel point euh, euh, li, enfin, le, les, les récits étaient falsifiés, et à quel point euh, euh, on ne disait pas la vérité, on mentait, on essayait d'eux, etc., sort le, le, le mémorial de la déportation des, des Juifs de France, prend la page du convoi euh, 71, lit euh, le nom euh, de Simone Jacob. Et dit, et dit à la cour, ben Simone Jacob, c'est Simone Veil, elle a survécu. Donc vous voyez bien que c'est pas vrai. On a, ouais. voilà. Bon. Moi, je veux dire que j'étais sur les bancs en face. Mmh. Euh, mmh. Voilà, Bon, euh, ouais. c'était mieux qu'on soit, qu soit en robe et dans une salle d'audience parce que je pense qu'à l'extérieur, ça serait moins bien passé. Euh, on était démunis à ce point. Mmh. Et, et c'est ça. Et je pense que ça a beaucoup incité. Enfin, cette, cette inquiétude. De, 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 de cette absence d'information a beaucoup incité tout un tas de gens à témoigner. Ils se sont dit à ce moment-là, voilà. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette situation dans laquelle euh, euh, au fond, moins de 30 ans après, 25 ans après, hein, 1970, oui, 25 ans après, euh, 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 on peut venir dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, on peut, on peut venir dire que 6 millions des nôtres n'ont pas été assassinés dans ces circonstances, dans ces conditions-là, c'est impossible. Et les gens se sont mis à parler, à témoigner à ce moment-là. Mmh. Alors ensuite, il s'est passé tout un tas de choses. Et puis, euh, et puis, et puis jusqu'en 1989, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, qui a rendu beaucoup plus facile le fait d'aller à Auschwitz, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en Pologne. Donc que mmh. voilà. Oui, bon. mmh. et, et à ce moment-là, on a, on a commencé à réunir beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, beaucoup du reste. Jusqu'en 1979, euh, maman ne sait même pas ce que sont devenus. Euh, 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 son frère et et et, 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 mon, et, mmh. et son père enfin mon grand père et, et mon oncle mmh. et ce n'est qu'en 1979 qu'elle l'apprend de la bouche de, de Serge Klarsfeld moi je me souviens très bien puisqu'en 1979 j'ai 25 ans mmh. donc c'est très bien que pendant toute mon enfance je savais que mon grand père et mon oncle notre grand père et notre oncle avaient été déportés par le convoi 73 on savait qu'il était parti euh, vers les pays baltes puis on ne savait pas ce qu'il était devenu ah, du reste on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui mais euh, voilà mmh. Alors là, effectivement, vous évoquez euh, une dimension du témoignage qui euh, sert, qui est nécessaire Mais est ça, pour oui. l'histoire. Mais bien sûr, pour l'histoire. Mais bien sûr. Euh, mmh. Je me demandais, c'est une réflexion qui me venait, si pas aussi euh, une autre dimension de témoignage. Euh, encore une fois, à le lire, on est frappé. Comment euh, votre maman insiste. Peut-être ça répond à ce que vous disiez des, des hasards et de la chance. Comment tout ça était surtout. Euh, hors sens, comme il dit. Ça n'avait pas de sens tout ça. Mm. Ça n'avait pas de sens. Et comment, justement, elle essaye de témoigner de ça. Et je me disais, est-ce que euh, ça, est-ce que ce... essayer de transmettre quelque chose de ça, euh, euh, ne peut pas se faire que par le témoignage, si, justement. Et que ça, l'histoire mm. ne, ne, ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas, pas l'attraper. <laughs> le témoignage a cette valeur-là. De... C'est ce qu'on apprend en la lisant. C'est ce qu'il en, ce qu en, ce qu en restera. Et ces témoignages sont, euh, sont, sont, sont essentiels. Ces, ces 110 témoignages sont absolument essentiels. Ces heures et ces heures d'enregistrement de, euh, sont, 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 sont essentiels. Euh, vous me parliez, vous avez évoqué le fait que... J'ai quelques activités au, au Comité français mmh. pour Yad Vashem. Mmh. Nous avons retrouvé... Euh, Plusieurs centaines d'heures de témoignages de justes parmi les nations. Mm. Alors, donc précisément pas de, de victimes, mais de gens qui ont oui. qui ont été des justes parmi les nations, c'est-à-dire des gens qui ont été reconnus comme ayant aidé des juifs pendant la guerre au péril de leur vie. Ces témoignages ont été enregistrés euh, il y a euh, une vingtaine d'années, dans les années euh, 2004, 2005, 2006. Enfin, à peu près à la même période. Et puis ce, tous ces enregistrements qui, qui sont des enregistrements audio, pas vidéo. Nous les avons retrouvés et, on a, et nous avons décidé depuis, depuis, depuis l'année dernière, depuis 2022, d'en faire une, une série de podcasts euh, et, de les, et, de les, et de les mettre en ligne. Alors non pas à non pas l'INA, mais avec, avec Radio France qui a bien voulu nous, nous accueillir. On a fait ça avec Radio France. Et nous avons produit... 10, 10 podcasts qui sont en ligne depuis, depuis octobre 2022. Mm -hmm. euh, ils ont, je crois, à ce jour été euh, écoutés euh, euh, à 150 000 ou 160 ah ouais. 000 ou 170 000 euh, euh, écoutes. C'est mm -hmm. absolument considérable. Oui, oui, tout à fait. Bon. Et, euh, et, et, et ça progresse chaque jour. Alors, on, on va l'année prochaine en faire euh, 10 de plus et puis continuer de mettre en ligne ces, ces témoignages. C'est absolument essentiel. Ouais. Euh, parce que, parce que ça raconte, là encore, des histoires euh, individuelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, parfois, ce sont des histoires longues. Parfois, c'est une histoire d'un de, 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 quart d'heure. Parfois, c'est... Bon. Mais ce sont des histoires absolument euh, essentielles parce qu'elles... D'abord, elles amènent les... Dans un temps où, où les gens où, où veulent oublier, dans un temps où on passe à autre chose, dans un temps où... où où, où, où tout s'accélère, on voit bien qu'on vit dans une société de l'instant, dans, mmh. dans une société de l'image, dans une société de, de, de l'instantané. Euh, 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 raconter des, des histoires individuelles, ça, ça, ça redonne, pardon, de cette expression, euh, je ne sais pas si Lacan y trouvait quelque chose à dire, ça redonne de la chair oui, tout à, euh, à, à, mmh. à une histoire qui est désincarnée, et ça la réincarne ça la réincarne dans des, dans des personnages. Qui ont vécu dans des gens qui ont vécu dans des histoires d'enfants dans des histoires d'adultes de, voilà et donc c'est euh, oui c'est essentiel ça donne hein. ça donne corps ça donne Effectivement, corps. bon on n'a pas le temps d'en parler mais euh, ce qui est magnifique aussi dans ce témoignage bon le, évidemment le, le récit est écrit mais c'est aussi qu'on puisse voir les images euh, qu'on puisse voir le film euh, qu'on puisse entendre les silences ce qu'on n'entend pas forcément évidemment même s'ils sont inscrits avec des didascalies dans le hein, ils ont eu ils ont eu l'intelligence de les reproduire mais on entend l'étoffe euh, enfin, de la voix euh, on, on voit la personne qui témoigne et, et, et donc ces silences qui sont des silences là encore éloquentes. Euh, comme euh, comme disait on va malheureusement devoir euh, euh, terminer euh, en même temps juste un dernier point <laughs> sur le négationnisme justement dans le témoignage de votre maman je ne sais pas si elle aurait le même optimisme aujourd'hui mais euh, elle évoque euh, que finalement c'est pas le négationnisme qui l'inquiète elle euh, euh, enfin, elle fait confiance non, à. la, la banalisation. Voilà, elle fait confiance à la vérité des faits, elle dit, le, ça sera démontré. Mais par contre, la banalisation, c'est-à-dire. Euh l'a mise sur une, mmh. un pied d'égalité, y compris des différents génocides. Mais bien sûr. Parce qu'elle insiste voilà. beaucoup sur la spécificité du génocide de la Shoah. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est pour insister sur la spécificité des autres. Mais mais, mais et, bien sûr. Ça, singularité du témoignage, la, la, singularité la, la, de, de l'événement. Mmh. Singularité du témoignage et singularité de l'événement. Et c'est très important parce que sinon, euh, 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 tout est dans tout. Voilà. Euh, et et c'est extraordinairement dangereux. On le voit aujourd'hui mmh. Je pense que notre... Euh, pardon d'élargir un tout petit peu, mais je, je pense qu'aujourd'hui notre... Euh, C'est quelque chose qui me tient à cœur. Notre. Euh, euh, notre époque, mmh. et peut-être particulièrement en France, paye beaucoup une formule qu'on a trouvée très à la mode à l'époque, que moi je regrette et que j'avais je, 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 désapprouvé, qui était l'indignez-vous. On s'indigne de tout. Mmh. Et en s'indignant de tout... Euh, on met tout à égalité mm -hmm. et les choses ne sont pas égales Le, ce qui s'est passé, euh, passé au Rwanda mm -hmm. n'est pas la même chose que ce qui se passe en Ukraine n'est pas la même chose que ce qui s'est passé pendant la Shoah mm -hmm. euh, il ne s'agit pas du tout d'une euh, euh, concurrence des mémoires mm -hmm. d'une concurrence de victimaires mm -hmm. il s'agit de, de, de respecter euh, 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 les événements et pour les connaître et, 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 et d'être précis dans l'utilisation des mots et du vocabulaire. Voilà, ce à bon. quoi elle tenait beaucoup. On est en train de nous dire qu'il faut vraiment qu'on s'arrête. Écoutez, merci beaucoup Pierre-François. <laughs> merci Abel. beaucoup, un vraiment. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Euh, euh, merci. merci. <laughs> et donc on va passer effectivement euh, à la séquence suivante. À la séquence hein. suivante, à l'écho de la culture, euh, qui sera tenue par euh, Passe pass des... Corona. Corona. Qui nous Passe, euh, passe Corona, donc euh, vous êtes psychanalyste et vous êtes allé pour nous euh, au cinéma voir Chili 1976, dont vous allez nous parler maintenant. Alors, Chili 1976, euh, c'est un film récent de 2022. Il, est, euh, il a été montré en première internationale au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Il est sorti sur les écrans euh, il y a à peu près un mois. Bon, à Paris, en tous les cas. Alors, c'est un premier long métrage assez remarqué d'une jeune réalisatrice chilienne qui s'appelle Manuela Martelli. Elle est actrice et elle a été remarquée euh, il y a quelques années dans un film euh, qui s'appelle euh, Mon ami Machuca, mm -hmm. bon, qui parle aussi euh, de ces périodes euh, de la dictature. Alors, il est porté de bout en bout par, euh, par une, une interprétation vraiment sans compromis d'Aline Kuppenheim, qui euh, campe le portrait d'une euh, bourgeoise de 50 ans, euh, comme ça en demi-teinte, pendant les années de plomb euh, au Chili. Au Chili. Alors, situez-nous un peu cela, si vous voulez bien. Oui. Alors. Euh, c'est trois ans après le coup d'état. Le coup mmh. d'état au Chili c'est 1973. Donc en 76 c'est les années, c'est l'année euh, dite la plus dure euh, de, de ce régime. Et euh, on sent bien dans le film que euh, le silence, la peur euh, et, euh, et la délation euh, rôdent dans tous les coins. Bon, donc ça c'est vraiment le, le ce qui se passe en 76. Et donc cette, cette mère de famille catholique, bourgeoise, va être prise, malgré elle, dans les affres de l'histoire. Et elle ne pourra plus euh, ignorer euh, l'histoire avec un grand H. Voilà, donc c'est un film historique ou c'est un film à, à propos d'une femme Qu'est-ce que mmh. vous diriez euh, la fresque... Les deux. En fait, la fresque sociale, c'est vraiment l'apparence. Mmh. Mais euh, c'est l'histoire surtout euh, de l'éveil politique d'une femme. Euh qui, qui n'était pas censé sortir de son carcan. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sans, sans nous spoiler, comme disent les Américains mm -hmm. Oui, oui, <laughs> oui. Alors, euh, euh, la famille va se retrouver pour les vacances d'hiver. Euh, ils vont partir au bord de la mer dans une jolie maison. Euh, pour ceux qui connaissent le Chili, on voit bien, euh, très très bien, le contraste euh, entre les euh, entre les différentes euh, classes sociales. Donc là, mm -hmm. on voit bien qu'il s'agit d'une classe sociale élevée. Avec, euh, euh, et, et donc euh, toute la famille va se retrouver euh, autour euh, euh, d'un événement, euh, l'anniversaire d'une petite fille. Le curé de la paroisse va être invité, c'est un ami de la famille, et il va demander, sous couvert comme ça, de lecture pour des paroissiens aveugles. C'est un petit petit clin d'œil paradoxal. Euh, donc on lui demande de faire mmh. une lecture à des aveugles et en fait euh, on va lui demander de, de soigner un jeune délinquant qui a été tué. Euh, non, pas tué, mmh. euh, blessé. Était, non, mais bah non. Blessé ah, par mal. Bah, bah, plus bah, plus oui, soigné, plus soigné. Et voilà, ça. <laughs> exactement. Bon, voilà. Donc euh, c'est le, le contexte. Et, la, euh, et on comprend que bah, ça va faire basculer sa vie. Oui, c'est ça. On imagine à la façon dont vous l'amenez que cette rencontre, qui est une rencontre contingente, va en fait bousculer euh, le quotidien de Carmen. C'est ça. Ce qui est intéressant, euh, euh, c'est que en fait, ça va l'amener à se confronter à son propre renoncement subjectif. Et euh, on pourrait se tromper, on pourrait se dire euh, bon, c'est le conformisme, euh, euh, quelqu'un qui, qui, voilà, qui va se. Euh, qui va se plier euh, à, aux règles de son, de son milieu social mais en fait euh, non c'est pas c'est pas tout à fait ça parce qu'on comprend que les causes réelles de son consentement au désastre sont ailleurs et c'est à son désir de femme que carmen va se confronter ouais. en fait euh, elle avait mis euh, très sagement euh, une croix là-dessus. Là Éclairer-nous un peu plus, si ce, mm. ce vous voulez bien, sur ça. Oui, oui. Alors, je me rends compte qu'au fur et à mesure des rencontres clandestines euh, avec ce jeune homme qu'elle va soigner, Carmen euh, va, va comprendre, enfin, elle va le soigner, euh, elle va... Ça se passe en huis clos, mais on comprend qu'elle euh, prend beaucoup de risques pour ça et qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Et mmh. tout d'un coup, quand elle se rend compte que euh, ce jeune homme euh, n'est pas un petit voleur, mais que c'est un, un opposant au régime, euh, quelque chose euh, va se passer en elle. ses, ses, ses idéaux vont commencer à s'effriter. Euh, elle va plus, euh, elle va plus pouvoir regarder ailleurs. Quand, par exemple, elle part en promenade avec ses petites filles euh, au bord de la mer et, et qu'on voit euh, euh, le corps d'une femme euh, jeté euh, à même la plage et qui va rester euh, non identifié, comme nombre de, de... donc vous, vous, donc elle, elle... Ouais elle peut plus ne plus voir ce qui se passe mais vous parliez ça. également de renoncement subjectif oui Alors, oui. Oui, oui parce que euh, on comprend dans le film qu'elle a renoncé à tout cette femme euh, elle a renoncé à sa carrière de médecin en fait on mmh. va l'appeler parce que euh, euh, elle a été secouriste et elle va bien expliquer euh, que ce couriste euh, c'était euh, un pis-aller. Elle mmh. voulait faire médecine et que c'est son mari qui est devenu médecin mmh. et qui est bon, chef de service. On connaît cette histoire-là hein. Voilà, <rire> <rire> tout à fait. Mais euh, on va aussi euh, comprendre qu'elle va renoncer à sa vie de femme mmh. et qu'elle va renoncer mmh. euh, euh, à beaucoup de choses. Ah. Là. Bon. Euh, et donc, euh, ce qui va la déloger de son anesthésie, c'est euh, euh, qu'on comprend que, en fait, euh, cette peur là qui va, qui va, qui va, qui va la, qui va la bousculer, ça va, ça va la, la mettre en alerte. Et mmh. ce qu'on comprend, c'est que. Et euh, eh bien carmen elle, prie, elle, 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 elle prend des médicaments oui, ça. Mmh. Euh, pour dormir pour, pour se calmer etc., etc et on comprend que ce médicament qu'elle mélange avec l'alcool c'est l'objet que lui fournit son mari médecin mmh. et, euh, et que elle paye très très fort euh, ce renoncement. Euh, elle s'endort euh, et pas seulement pour ne pas voir ce qui se passe euh, politiquement. Elle s'endort pour ne pas s'entendre. Elle s'endort pour ne pas être la femme qu'elle aurait dû être. Mm -hmm. C'est ça le renoncement mm -hmm. subjectif. Et c'est ça bien. qui va apparaître. Mm -hmm. Alors, comment ça va évoluer mm -hmm. euh, Alors, euh, comment ça va évoluer euh, Concrètement, euh, je ne sais pas comment, euh, sans, sans vous dévoiler le film, mmh. comment comment ça va évoluer. Euh, 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 on va voir cette femme sortir de, de, de son confort. On va la voir euh, s'aventurer euh, dans, dans dans ce qu'on appelle les les, les, les c'est-à-dire les les, les les bidonvilles, mmh. euh, prendre des risques euh, et puis euh, et puis être touchée d'une certaine manière. Euh, par euh, euh, une rencontre qui aurait pu être une rencontre amoureuse mais qui va être une rencontre plutôt du type euh, euh, rencontre avec le désir d'un homme et, euh, et auquel elle, elle n'est pas insensible euh, elle, ça évolue dans ce sens-là je vais pas dévoiler euh, le, le la fin du film parce que c'est voilà, donc, donc à la fois l'éveil, en effet, un éveil politique, comme vous l'avez bien montré, et également l'éveil d'une femme. C'est ça. Donc euh, qui... Euh, qui était, euh, qui, qui était restée sourde, à tout, enfin, qui avait mis de côté, on va dire, toute cette question de, de, sa, fémini de, de, de sa, sa féminité. De sa féminité, euh, absolument. Voilà. C'est ce qui est tout à fait remarquable. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tout ça tourne autour de, de l'objet que lui procure son mari, finalement. Mm -hmm. euh, à la place, euh, euh, disons, euh, de la rencontre sexuelle, euh, à oui, la place ça. du rapport sexuel qu'il n'y qu qu a pas, il y a mm -hmm. la famille, il mm -hmm. y a euh, ce bouchon euh, Formidable, qui est en fait, qui est très intéressant, c'est la mise en abîme euh, des deux réalités dans le film. C'est-à-dire que, en effet, la, la, la comment dirais-je le, le discours du maître, le discours du maître euh, qui, qui, qui est un maître féroce, est clé sur le discours catholique. Et le discours catholique, on le sait, proscrit la famille, proscrit la procréation. Et c'est ça qui est venu voiler euh, finalement le, le, la position de cette femme qui, qui a fait un métier euh, de, 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 de préserver tous ses idéaux. Mmh, et et c'est finalement quand elle s'occupe du corps de l'autre que ce... Que son propre corps. Que son ouais. propre corps euh, euh, fait effraction là-dedans. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pass Passe C'est oui, fini pour euh, l'émission d'aujourd'hui de Studio Lacan. Et donc, euh, prochain rendez-vous, samedi prochain à 10 h 30 euh, Au revoir. Au revoir, France. Au revoir et à bientôt. Merci, Passe. Vous. Merci beaucoup.